Oui, je suis venu à la peinture par un pur hasard parce que c'est en 90 où un peu partout à Dakar, il y a eu le mouvement 7-7-1. C'est-à-dire chaque jeune du quartier nettoyait le quartier. Et à la fin du nettoyage, donc il fallait peindre les murs, réaliser des fresques murales. C'est à partir de ce moment que j'avais des aînés qui étaient des peintres, mais amateurs. Donc on a pris une surface où on a réalisé des fresques murales. Et c'est comme ça qu'on a choisi la mienne et on l'a imprimée sur un livre intitulé Les murs qui parlent. Donc c'est de là-bas que ça a commencé. Là, j'ai continué mes études en électronique parce que mes parents, ils ne voulaient pas du tout que je fasse l'art, des trucs comme ça. Donc, lorsque j'ai fini ma formation et que j'ai commencé à travailler en tant que technicien, dans la société où je travaillais, en face, il y avait juste l'atelier de Khalid Kassé Ekola. Donc, durant 5 ans, chaque jour, j'allais chez eux. On mangeait ensemble jusqu'à 15 h pour que moi je puisse retourner à mon boulot. Et c'est de là-bas, un jour, Khalidou lui-même est venu me donner un papier craft et il m'a dit, bon, vas-y, dessine, on va voir. C'est de là-bas que j'ai réalisé mon premier œuvre. Et il me l'a fait encadrer et on m'a sélectionné pour exposer dans une exposition pour amateurs à Blaise-Senghor. C'est là-bas qu'on m'a remis un prix. Et là, c'est parti. Mon inspiration, je n'ai pas essayé de me fatiguer pour aller chercher ailleurs, comme j'ai commencé par les fresques murales. Donc, ce que je fais, c'est que là où je vais, à Colobane ou à Tilène ou à Diaro ou à Guédiouaï, ce qui me frappe le plus, c'est les murs. Donc, c'est les couleurs des murs et puis les dessins que les enfants font là-bas. Ensuite, les numéros de téléphone et les panneaux publicitaires pour annoncer que là, c'est un salon de coiffure ou c'est un restaurant. Voilà, c'est ça qui me fascine. Et par rapport, bon, bien sûr, là, notre idole à tous, c'est bien Basquiat. Bon. Donc, je me suis dit que comme lui, il a créé le concept mural. Et d'après mes analyses, j'ai vu qu'il y avait aussi des dessins sur les murs de Dakar. C'est de là que j'ai pris l'inspiration pour l'utiliser. J'ai galéré jusqu'à même vouloir abandonner, quoi. Il y a eu des moments où j'ai dit que, écoute, là, je vais arrêter et chercher autre chose. Parce qu'on n'a personne pour nous dire qu'il faut venir là. On va t'inviter à un atelier résidence, un truc. Par rapport aux artistes qui sont sortis à l'école des Beaux-Arts. Même en troisième année, ils sont déjà guidés. Ils savent qu'ils doivent aller là après leurs études. Mais par rapport aux artistes autodidactes, c'est ce qui les décourage. Il n'y a pas d'accompagnement. C'est par chance que tu peux aller au sommet. C'est ce qui est dommage. Moi, j'aimerais bien, parce que, bon, par exemple, moi, aujourd'hui, je peux dire que je peux vivre de mon art, mais je me soucie toujours de ceux qui sont derrière moi. Parce que, aussi, c'est quelque chose qu'ils ont choisi. Il y a des artistes talentueux qui sont là-dedans. Pourquoi pas les aider, par exemple, créer des ateliers et créer quelque chose pour eux. Voilà. Mais ils sont toujours à l'écart.